ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, nous avons commencé hier par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala un épître qui traite du bonheur. Le bonheur, cet objectif que tout le monde cherche, qu'il soit musulman ou non, à toute époque, de toute classe sociale, qu'il soit homme ou femme, riche ou pauvre, d'une classe sociale élevée ou d'une classe sociale basse, tout le monde est à la recherche de ce bonheur. Donc cet épître nous trace les grandes lignes du vrai bonheur auquel tout homme et toute femme aspire et s'efforce d'atteindre. Et cette explication, elle n'est pas basée sur des philosophies humaines, mais elle est basée sur des preuves infaillibles tirées du Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sur l'orientation et les conseils de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ces conseils, ils sont basés sur la révélation. Ce bonheur que tout homme recherche, que la communauté des croyants cherche à atteindre et à pratiquer, dont tout croyant sait que le seul chemin, c'est le chemin de la piété et de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va le mener à ce bonheur. Donc, ce cheikh a voulu écrire sur cet épître, car à son époque, il y avait une grande prêche vers l'athéisme qui se répandait. D'ailleurs, il a écrit des livres contre l'athéisme, pour montrer ce fléau qui touchait le monde musulman, avec le matérialisme, avec les pensées communistes, etc., avec les pensées laïques qui commençaient aussi à se répandre dans le monde musulman à son époque. Alors, il a voulu mettre en garde contre l'athéisme. Et ici, il a rappelé aussi quel est le vrai sens du bonheur. Car les matérialistes, tous les gens qui ne croient pas en la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils cherchent le bonheur que par certains de ses aspects matériels, et ils en ont oublié les aspects essentiels, qui sont les aspects liés à l'âme. Donc, Cheikh Saadi, rahimahullah, il est né à Unayza, dans la province de Al-Qasim, dans le Najd, en Arabie. Il a perdu ses parents très jeunes, et il était connu pour son intelligence et son envie du savoir et sa grande motivation pour apprendre la science religieuse dès tout jeune. Il a d'ailleurs mémorisé le Coran à l'âge de 12 ans, puis il a étudié les sciences islamiques auprès des érudits de son village et auprès d'autres savants qui étaient de passage dans sa région. Rahimahullah. À l'âge de 23 ans, il a déjà commencé à dispenser des cours, malgré qu'il était encore disciple des savants et des érudits. C'est ainsi que le cheikh, rahimahullah, passa toute sa vie dans l'apprentissage, dans l'éducation, l'enseignement, et beaucoup, beaucoup de gens profitent jusqu'aujourd'hui de ses écrits. Parmi ses élèves les plus connus, il y a le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah. Donc il a laissé vraiment une grande science. Et tous les savants recommandent son livre de tafsir, Tafsir Karim al-Rahman. Il est très précis dessus et reste sur la croyance des salafs. Et même sur les autres points, ceux qui connaissent ce tafsir et ceux à qui Allah Ta'ala a donné la chance de le lire ou de l'étudier, ils verront que s'ils ont lu tous les grands livres d'exégèse et de tafsir, il va résumer toutes les idées essentielles et les plus importantes que l'on peut trouver dans tous les tafsirs en faisant aussi un tri, en gardant ce qu'il voit juste et en délaissant le reste. Donc c'est vraiment un livre de référence dans le tafsir. Et il a écrit d'autres livres dans la jurisprudence, dans le hadith, dans la croyance, etc. Rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Comme je vous l'ai dit, il était reconnu chez les savants. Cheikh Hamad al-Ansari, qui est un grand muhaddith, qui est mort à Médine, rahimahullah, a dit les deux savants les plus éminents des savants du Najd, de cette région d'Arabie, qui a connu de grands savants après Mohammed ibn Abdul Wahhab et ses descendants et tous ceux qui sont venus après jusqu'à aujourd'hui. Il a dit Mohammed ibn Ibrahim et Cheikh Abdurrahman al-Si'adi, et il a dit Cheikh Abdurrahman al-Si'adi est plus savant. Il le considérait plus savant que le mufti, l'ancien mufti avant Cheikh ibn Baz. Donc Cheikh al-Si'adi, rahimahullah, il a eu beaucoup d'élèves, dont parmi ses élèves Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin que l'on a cité. Il a donc fini sa vie dans la science et l'enseignement et la fatwa.
Et il a été atteint d'une grave et incurable maladie qui ont été la cause de son décès en l'an 1376 de l'Hégire. Donc ça fait à peu près 60 ans qu'il est décédé, rahimahullah, à Unayza. Rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Le cheikh commence son épître en louant Allah subhanahu wa ta'ala et en demandant les louanges et la bénédiction sur le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Puis, il explique que la paix de la conscience, la quiétude, la joie, ainsi que la dissipation de l'angoisse et de l'amertume sont revendiquées par chacun de nous. Et elles restent la résultante d'une agréable vie pleine de joie et de gaieté. Pour atteindre cette paix, cette conscience, cette quiétude, cette joie et dissiper les angoisses, il y a plusieurs causes. Et il en cite trois familles de causes essentielles. Les causes religieuses, naturelles, pratiques. Puis il finit par dire « Nul ne peut réunir toutes ces causes à part le croyant » car effectivement, le non-musulman, il ne peut pas réunir la cause religieuse qui est la cause essentielle du bonheur. Quant au non-croyant, bien qu'il puisse, ou bien certaines de ces causes puissent s'appliquer sur eux, les aspects les plus avantageux, plus assurés et les meilleurs leur échappent. Donc il va citer dans son épître ce à quoi il pense comme cause de cette grande requête que cherche tout à chacun de nous à concrétiser. Certains, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont pu atteindre beaucoup de leurs objectifs et ils ont pu, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, mener une vie heureuse dans cette vie et ce qui les attend dans l'au-delà comme félicité, comme bonheur et comme récompense est bien plus grand encore. Et il y en a d'autres qui ont échoué. Ils ont mené une vie misérable car ils n'ont pas réuni ces causes et surtout la cause la plus importante. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, celui qui se détourne de notre rappel, dans le sens des versets, il aura une vie misérable et nous le ressusciterons le jour du jugement dernier aveugle. Il dira à mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que j'étais auparavant voyant? Allah lui dira, quand mes signes te sont venus, tu t'en es détourné, alors aujourd'hui aussi tu es oublié, délaissé. Et il y a une troisième catégorie de personnes qui sont entre les deux. On demande à Allah tabaraka ta'ala de nous guider sur le chemin de la félicité et du bonheur dans cette vie et dans l'au-delà et de nous raffermir sur ce chemin. Donc la première cause et la grande cause pour atteindre la félicité, le bonheur, la paix de l'âme, cette tranquillité que tout le monde recherche, c'est la foi et les bonnes œuvres. Allah tabaraka ta'ala dit dans sourate An-Nahl, dans le sens des versets, quiconque, qu'il soit homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons certes en fonction des meilleurs de leurs actions. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa qul rabbi zidni ilma.